kota nenu lumantana. Chilu chilu kakavuria mantana fi. Les Malagas mangent du riz à chaque repas et en toute occasion, matin, midi et soir, tous les jours, durant une fête ou durant une cérémonie. Par exemple, au cours d'un Santabar ou la fête de promise de riz, on mange du Varem Dunun Tunjan Tatel ou encore au cours du Famadien, retournement de mort, on mange du Varbemena qui pourrait être traduit littéralement comme le riz servi avec de la viande de zébu bien gras. Si vous entrez par exemple dans une maison, l'hôte vous servira du riz, donc on vous dit même Manasa Inambaje, mais avant de devenir le riz qui nous est servi dans notre assiette, cette denrée vitale doit passer par plusieurs étapes. Ainsi, cette semaine sur Canal Austral TV, nous allons nous intéresser à une des étapes très importantes dans le processus de production de riz. Celle-ci est le repiquage. Travail manuel assez pénible et très souvent effectué par les femmes, dos courbé, pieds pataugés en permanence dans de la boue. Elles nous transmettent un bon message, un bon exemple associé au courage et à la patience. Voilà les qualités d'une femme dévouée à sa famille. La plupart des Malagas pratiquent donc la riziculture avec de la technique ancestrale. Le repiquage de riz à Madagascar, c'est sur Canal Austral et c'est parti. Le riz n'est pas une plante endémique à Madagascar. Les premières cultures remonteraient vers 6500 avant Jésus-Christ, en Chine centrale, dans la province de Hunan, pour s'y répandre au travers du sud de l'Inde, la Corée, le Japon, la Thaïlande, l'Indonésie avant de gagner Madagascar. Ce type de culture est central dans l'activité économique de l'île. Elle représente 12% du PIB. On estime même aujourd'hui que 70% de terres agricoles sont utilisées pour la production du riz. Les Malagas font partie de très gros consommateurs de riz. Ils ne peuvent pas s'en passer. Selon les études, on estime qu'un Malagas consomme en moyenne de 16,5 kg de riz par mois. C'est l'élément essentiel de notre alimentation. Efa io zany efa foto-tsakafontsika malagasy dia raha vao tsisy an'io dia efa tsy
Ah, voyons, var. C'est au monde, magasin, v'lambe, man, v'lambe, autre, t'y, si, en, m'y, t'y, 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 t'y,
De on se on a famille na de yeno san makafafu na reta na lisa itu kumba fuka tuti de yin dinra lisi. Nila nila nkieta 10 centimeters nila nila nfara fangesan saya. Fara tino fuka pukota kuku isti arakaraka ni. De yin eso no mitsi no yeta ono dimi yeta yen na de mita tanketa nyamnin. De vita lo sem fanetsana de miditra ny fa hoe iavandre ianao tianao vokapokatra ihany koa mivary amin'iny dia miava indro ianao avainao amin'ny tanana dia avainao amin'ny sary kles dia farafahaelany ray volana stapany ka misy spesialy vary eto neto satria arakaraka le vary ny fidy tany le vary fa raha ity izao dia nenahy fa nanao mihitsy aho tamin'ity dia tena mety mihitsy fa le izy izany arakaraka ny fahaizanao mamboly an'le izy koa e. Tena matetika ny olona miteny izany hoe vary aloha vary avy any vaky ambiaty tsy azo atao vary aloha fa tena mahazo tena iny vary vaky ambiaty iny atao vary aloha fa tena vokatra tena satria hitanao miova ny tany any vary vaky ambiaty dia aty amin'ny vary aloha indray izy koa miova dia tena vokatra be dia izay io ilay teny ankanare mila miova intelo taona foana izany farafantarany ny vary ny eo amin'ny tambary ray fa raha ny tena hoe ty azo vokatra be ianao dia manova masom-bola isan-taona. Fa matetika izany izay rehefa manao zezika dia ireny zezika diapy ireny nataonay dia sady manao zezi-pahatra. Zezi-pahatra iny manamasaka ny tany iny dia ilay diapy mamey voaniny. Arakaraka izay tianao na alohan'ny asa na alohan'ny nanetra mety foana izany iny izany arakaraka ny fotoananao malalaka ny amin'iny. Fa ny tena mety mahatsara azy aloha dia alohan'ny manetsy izy satria amin'iny ilay hitanao vao regleny rano amin'iny fa raha ohatra hoe alohan'ny asa dia be rano be avy eo dia avy eo lasa ny rano any fotsiny zezika. Avec les reliefs très variés de Madagascar, la riziculture se pratique plus facilement à la culture atelier qu'à la mécanisation, comme sur des terrains pentus ou des petites superficies. Dans tout le processus de production, le riz se travaille avec des outils rudimentaires comme la bêche ou l'engade, une charrue, une herse, une sarcleuse. Les paysans qui disposent des tracteurs ou des motoculteurs et même des matériels plus sophistiqués sont peu nombreux. Za izany tena hoe raha mbola raha azoko atao dia tena miezaka mihitsy aho tsy manarama olona fa za foana no tena manao azy zay ao an-trano fa rehefa tena tsy vita ilay izy izay vao tena hoe izany hoe hainy dia haka olona satria na nifandehan'ilay tananao sy ny tanan'ilay olona hoe tsy mitovy mihitsy dia iny ianao afa-po tsara mihitsy na mifakohatra na manetsa na miavoketsa. Fitaovana ilaina indray izany raha nanomboka amin'ny fanetsana tambary. Mitomboka amin'ny eo angady tanana voalohany, omby, angadin'omby, hiersa, mitomboka amin'io rehefa miava mampiasa sarikilesy. Misy aloha izany eo alohan'ny fanetsana dia efa mampiasa zezika, zezi-pahatra iny dia arahana irekely. Dia avy eo rehefa maitsomaitso indray dia mandefa impekana diapy. Ny zezi-pahatra izany mbô hampalefaka ny tany, mba tsaratsara manamasaka an'ilay tany. Ny zezika ire manatsara ny raviny. Ny impeka diapy moa dia arakin'io sady raviny ny voany miasa mahatsaratsara an'ilay vokatra izany. Le riz est au Malaga ce que les pains aux Français. Cette denrée vitale est l'un des aliments basiques et anciens de la population mondiale. Et pour cette raison, il ne faut pas s'étonner de voir qu'il existe dans chaque culture, tout comme à Madagascar, une série de légendes et de proverbes en ce qui concerne ce grain sacré. Aïe,
de tsompetraka amin'ny toerana iray fa tena mikarataka ianao ma hitady an'ilay ketsa hoe aza re misy ketsa e tonga anao daholo ny enkimo ambaray manontolo ambaravarakazo zay zay efa nisy voaninandro vidy ketsa tany abelanitra moa ilay fambolena koa izany mila fafinaretany e mila fitiavana be amin'ilay izy fa raha vao tia mamboly ianao dia tonga dia efa mandeha ho azy mahazo aina be mihitsy ianao amin'ilay izy dia ny zava-drehetra tena mila fitiavana mihitsy na ataoko hoe tsy miteny izy io fambolena io a fa mananaina mananaina ohatra ny olombelona efa zany hoe izy zany le araka mananaina azy maharaka maha olombelona anazy dia izy mananaina fa maniry ny ainy Véritable pilier économique, social et religieux de toute une nation, la vie quotidienne des Malagas repose essentiellement sur la culture de riz. Les femmes répiqueuses sont dessinées, brodées sur des nappes joliment faites et à trouver facilement au marché des artisans. Élément intégrant le paysage de Madagascar, les cultures en terrasse, aux flancs de collines ou encore sur les plaines et les plateaux sont des véritables tableaux que l'on peut admirer le long de la route nationale dans les hautes terres de l'île de Madagascar. J'espère bien que notre émission de cette semaine vous a été intéressante et qu'on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Portez-vous bien et bonne continuation avec les meilleures émissions de Canal Austral TV. Samitsarap tupkla, samitsarap tupkfavi. Velumabe.